Hello les gens, c'est Alcia. On se retrouve pour le 32e, 31e ou 32e épisode du Let's Play Pokémon Lune. Ça fait deux fois que je recommence cette intro. C'est la première fois où mon appareil a bugué. Hein, il y avait le son, mais pas le. Les dialogues. Enfin. Le son et pas l'image, quoi. Enfin, vous comprenez. Bref. Donc on va retrouver tout de suite Lily dehors. C'est le 4e épisode que je tourne à la suite, donc j'espère que j'aurai pas trop de soucis. Et j'ai mon chien qui vient de venir dans ma petite chambre. Voilà. Lily, elle a changé, je trouve. Ah, après les événements, elle a décidé de se reprendre en main et de changer. Bon, c'est bien, ça donne de la profondeur au personnage, même si c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. J'ai acheté ses habits à Malier. Alors, j'ai l'air de quoi? Elle est top. On va pas la casser tout de suite, hein, on la cassera plus tard. Oh, tu trouves? Je suis vraiment contente que ça te plaise, Alex. Cette fois, pas question de reculer. Je dois sauver Doudou. Et mère, Alex, je veux devenir comme toi. Capable de relever n'importe quel défi sans hésiter. Oui, c'est fini la timide et craintive. Lily. La nouvelle Lily sera une battante. Regarde, j'ai même inventé ma pose de victoire. Non, ça c'est l'invocation, la Jojo's bizarre pose de l'invocation de la force Z de type normal, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah. Ah, alors c'est là que tu étais. Tiens, j'ai trouvé ça dans les affaires de notre mère. C'est la flûte du soleil. C'est une relique très ancienne, transmise depuis de nombreuses générations à Alola. Les anciens avaient coutume d'en jouer face au soleil. La légende raconte que jouer ensemble de la flûte et du flûte, soleil et lune aurait le pouvoir d'invoquer le Pokémon légendaire. À croire que mère avait l'intention de l'ajouter à sa petite collection. Elle est plus avide que ce que je pensais. Mérine ! Mérine ! Mérine ! Et le chien qui est en train d'essayer de décrocher un sac. Et le problème, c'est que c'est un sac contrôle. Je voudrais pas qu'elle le déchire. Je suis désolé, je surveille le chien en même temps. À sa petite collection. Elle est plus avide que je le pensais. Tiens, c'est pour toi. 8 ? Une Master Ball ? Remercie Gladio. Merci Gladio. Mais je crois pas l'utiliser sur le légendaire. Hein. Je sais pas ce que j'ai en termes de ball, donc je vais peut-être aller me réapprovisionner, mais. Mais voilà quoi, merci. C'est toujours sympa d'avoir une Master Ball. C'est une Master Ball. Avec ça, tu peux attraper n'importe quel Pokémon à coup sûr. Je te la donne. En échange, promets-moi d'aider Lily du mieux que tu peux. Et toi, Gladio, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai encore quelques affaires à régler au Paradis Hiter. Quelle ironie. Et moi qui voulais m'enfuir à l'autre bout du monde avec Type 0, me voilà revenu au point de départ. Quelle ironie. Effectivement, c'est très ironique. Alex! Bon alors, Tilly casse l'ambiance très solennelle entre frères et sœurs, très, très solennel, j'ai envie de dire. Oh mais Lily, est-ce bien toi? Oui, je suis prête à passer aux choses sérieuses. Trop bien. Moi, c'est décidé, il faut que je m'entraîne plus et toujours plus et toujours encore beaucoup plus. Et à chaque fois, c'est Alex qui et son équipe qui me sort du pétrin. C'est parce que t'es un boulet, ça. C'est rien. On a l'habitude des boulets dans Pokémon. J'arrive même pas à protéger mes Pokémon. Comment je fais devenir doyen? Je peux pas assurer le bonheur des gens. Si je suis nul, faut que je fasse. J'ai encore de gros programmes. Faut que j'aille passer l'épreuve de Marguerite en plus. J'ai pas trop le temps avec tout ça. Va passer ton épreuve. Oh, pardon. On t'a entraîné dans toutes nos histoires de famille. Tu l'as dit, Bouffy. Gladio derrière, il en peut plus. Il a envie de les triper. Eh? Écoute, je regrette pas, c'est fou tout ce qu'on a vécu depuis le début. Et quelque chose me dit qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
Sûrement. Notre mère n'est pas du genre à y aller avec le dos de la cuillère. Faut prendre un Alakazam. Tilly, merci du fond du cœur. Tilly, merci du fond du cœur d'être venu. Je vais au moins pouvoir vous emmener jusqu'à la prochaine île, Pony. Je vous attendrai à l'embarcadère. Alex, prêt à passer aux choses sérieuses? Donc on a pris le bateau de Forbes, on a pris le bateau de Gladio, on a pris un ferry. Ah, j'ajoute. Non, c'était rendu à la deuxième île, je ne sais plus. À la troisième île, pardon. La fille qui sait déjà plus. Qui sait déjà plus ce qui se passe. Bref. On va s'en aller. Donc on va à l'embarcadère. Réserve embarcadère. Et l'embarcadère, il est. Alors, Gladio, il va être par là. Normalement, j'ai plus rien à récupérer ici. Je ne crois pas. Est-ce que le bateau de Gladio est par là? Non. Le bateau de Gladio n'est pas par là. Je dis Gladio, mais c'est un bateau de la Team Skull en fait. C'est pas un bateau de Gladio. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise, toi? Ah bah, mais voilà. Mérine, ça suffit. On va donc parler à Gladio et avoir droit peut-être à une cinématique. T'es prêt à partir? Bien sûr, je suis toujours prêt à partir. Alors on y va. On les cœurs, Alex. Allons-y. Oui, nous y allons. Oh, je suis déception. Je pensais qu'on aurait droit à... Je pensais qu'on aurait droit à une cinématique. Je suis déception. Une grande déception d'ailleurs. Ah si, on a quand même droit à une petite cinématique. Cinématique d'arrivée d'ailleurs. Par contre, c'est bon. Ça, pas dire. Pony. L'île n'est presque pas habitée et tout est envahi par la végétation. Un conseil, allez voir le doyen du coin. Le doyen doit entre autres protéger l'hôtel dédié aux Pokémon légendaires. Avec un peu de chance, il pourra vous renseigner. Gladio, mon frère, merci pour tout. Lorsque Type Zero et toi avaient quitté le paradis Aether, mère était si furieuse. Heureusement, Vicky était là. J'ai eu si peur. Désolé, je n'étais pas à tes côtés pour traverser ces moments. Ma priorité était de sauver le type 0. Maintenant, c'est à votre tour. Ils ont même la monture Sharpedo, quoi. C'est vachement bien fait. Venez à la maison Barbicha derrière. Alex, ne te fais pas de soucis pour moi. Je sais ce que j'ai à faire. Et puis, c'est étrange, mais je n'ai plus peur. Je suis même plutôt excitée. Ah, c'est très bien ça, Lily. Youpi, nous voici à Pony. Je vais t'ouvrir le Pokédex de l'île. Tu vas trouver plein de nouveaux Pokémon. Ouais, entre autres, j'espère trouver des Pokémon intéressants. J'ai pas besoin de me soigner, donc où est-ce qu'il va falloir que j'aille? Là, on a juste un bateau. Là, on a le bateau de... Voilà, là, on a le bateau Barbicha. Intéressant. Est-ce qu'on a des choses intéressantes ici? Figure-toi que c'est le petit Snubbull qui a poussé ma fille à devenir peintre. Quand elle était petite, elle dessinait son portrait partout. Mais... Quand elle lui a montré le résultat, elle l'a déchiqueté. Ne faisait que jouer avec le papier, bien sûr. Mais ma pauvre petite Oléa, elle croit qu'il l'avait détruit car il a trouvé son portrait raté. D'accord. Ma fille doit sûrement être en train d'engloutir un sandwich le nez collé à sa toile. Son alimentation laisse à désirer, mais dès qu'il s'agit d'art plastique, elle a des doigts de fée. Intéressant. Donc ça veut dire que le capitaine, enfin un des capitaines de cette île, ça serait un capitaine de type fée.
Ah, je crois qu'on va mettre Malamandre en avant sur cette île. Ça serait pas trop mal. Ouh! Alors ça, c'est la queue d'un serpent. Oui, bien sûr, parce que pour petite anecdote, la dame vient de dire qu'il y a certainement beaucoup de choses, beaucoup de Pokémon à découvrir dans la mer. Dans notre monde, en IRL, on connaît plus la surface de la Lune que le fond des océans. C'est quand même hallucinant. Donc oui, il reste certainement beaucoup de choses à découvrir dans le fond des océans. Désolé, j'aimerais pouvoir t'accueillir avec un grand sourire, mais je prends trop de la tête à ça. Becky. Je te présente mon partenaire, Becky, c'est un Becky Pan. Merci, Captain Obvious. Je peux compter sur son grand bec pour les livraisons. Becky. Lui et moi, on a fait la tournée des îles, écoulé nos marchandises. Ceci dit, on n'a pas bougé de pony depuis un moment, et mes stocks commencent à se faire vide. Bref, on a pas mal de... Les affaires vont mal, même Becky ne peut plus de se tourner le Becky. Oh, le Becky Point, il en a rien à carrer. Attention, Becky. D'accord, ben... Oh, un Magmarizer. Intéressant. Bon, j'ai pas de Magmar, mais intéressant. Electrizer, ok. Ok, bon, en fait, ce qu'il dit n'est pas forcément... Il n'est pas forcément très intéressant. Le Pokémon Terra, oui, je connais. Ah oui, c'est un fossile, oui, je veux bien. Hop. Ah, elle nous donne carrément le Terra, ok. Ok, bon. Là, vous savez qu'on pourra résetter Terra ici, hein, écoutez. Puis vous le verrez directement au Pokédex, en fait, s'il est shiny ou non. Qui fait que les resets doivent aller assez vite. Je l'envoie à une boîte PC parce que j'ai pas envie de le prendre tout de suite. Je jouerai peut-être un petit peu avec. Peut-être que je changerai le Garrock, mais j'ai pas très envie de le changer. Après, c'est pas le meilleur Pokémon. Hein. Terra est quand même relativement fragile. Ah, Lily est par là. Un petit coraillon trop choupi. Bien le bonjour, Mara d'eau douce. Alors, Lily a toujours peur de quelque chose. Et mon chien écoute ce que je fais avec la plus grande attention. C'est terrible. Qui êtes-vous, monsieur? Eh bien, moi, je suis le timonier des mers, Pordy. Le peuple des mers? Eh ouais, ma grande. Garde un peu autour de toi. Tu vois de la mer un peu à perte de vue. Une armada de bateaux. T'as déduit quoi? Qu'on est éleveur de gros tichons? Eh non, nous on est comme les océans depuis des générations. Toujours à leur charge de nouvelles merveilles. Et on va les revendre à notre pêche miraculeuse en faisant du troc à Alola. Les autres ports d'Alola sont bien fréquentés, mais pour sûr, quand ils ont besoin de vrais experts, les gens viennent à Pony. Hey. Qu'êtes-vous venu faire ici? Vous... Déjà... J'ai perdu ma ligne de texte. Qu'êtes-vous venu faire ici, les jeunes? Vous collectionnez les baies, comme moi? Pour tout vous dire, nous voudrions rencontrer le doyen. Le doyen. Aïe. Tentez toujours votre chance chez la petite Polly. Sa maison est la seule à Pony. Vous ne devriez pas vous tromper. Vous reconnaîtrez la grosse une maison avec un gros brunos devant. Oh, Polly est ici. Merci beaucoup, monsieur le timonier du village. Oui, ça c'est gentil de nous donner Allons voir Polly et Brunos. Oui, on va faire ça. Il se passera pas grand chose dans cet épisode-là, j'ai l'impression. Y a pas une maison par là? C'est la maison Barbicha, ça, non? Ah non, c'est la maison Stylix, ok. Intéressant. Oh, ils ont tous des béquipants, hein, par contre. Excusez-moi.
J'y suis toujours un peu malade. Donc bon. Puis à force de tourner sans boire, bah, j'ai un peu la gorge sèche. Oui. Point chance, ok. Bon, les points chance, on peut les pop sur les Levenard sauvages, donc j'ai envie de dire. C'est pas très intéressant, c'est pour jouer Levenard. Et Levenard, je le joue pas, je préfère jouer l'Euphorie. Dis-moi, petit, est-ce que. Ah bon. D'accord, donc elle, il faudra que je montre un Raichu d'Alola. Bon, vu que je chasse Pichu. Pas mal. Oh, une CT. Vu que je chasse Pichu. Comment je pourrais dire. Des fois, pendant mes séances d'XP, je m'amuse à faire des petites recherches de Pichu. Bon, je fais pas beaucoup de rencontres, hein, je fais peut-être une centaine de rencontres, donc c'est pas énorme. Alors bon. Par contre, là, il y a un Pokémon intéressant. Alors, qui va-t-on avoir comme Pokémon ? Nous ne verrons aucun Pokémon. Ok. Il faudrait que j'ai le talent glu en première position, mais comme j'ai pas mon glutteur en première position, ben. Voilà. Un Magikarp. Ok, bon. C'est pas le Pokémon le plus intéressant du monde. Hein. J'aime beaucoup l'Aviator, mais Magikarp, non. On va pas le prendre, de toute façon je l'ai déjà capturé donc. Oui, parce qu'entre temps, quand je fais mes sessions d'XP, si je me sens un Pokémon que j'ai pas, je le capture. Hein. Je m'embête pas à fouiner plus que ça. Le centre Pokémon est par là. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Une cellule Zygarde, déjà pour commencer. Ok, donc ça c'est fait, ça, on va partir par là, on va pas parler à tous les autres PNJ. Je vais aller vérifier qu'on a quand même... Oh, c'est l'illuminé là, je sais plus comment il s'appelait dans la démo. Je vais m'apprendre à quoi son surnom, j'ai pas de Pokémon qui peuvent l'apprendre. De toute façon, même si j'en avais un, voilà. Non. Donc on va... qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Ah, des CT. Intéressant. Plénitude des autres, là, non. Par plénitude pour Mimiki, cause une plénitude, Mimiki n'a pas grand chose en attaque. Hein. Faut vraiment que je trouve à lui apprendre une attaque fée. Bon, on va se faire un peu le plein de Pokéball. On va prendre des hyperballs, normalement on y a accès. Ouais, j'ai deux hyperballs, je vais en prendre. Je vais en prendre 48. Ça, j'en aurai une cinquantaine. Je pense que ça sera largement assez pour des rappels, par contre. Parce que je suis super... Potion max rappel. Je vais reprendre des rappels, parce que ça, j'en prends 11. Ça peut toujours être utile. Et des hyper potions. Je pense que pour la ligue, je ferai le tour des combats que j'ai pas fait et j'utiliserai mon Winfrex et Train, parce que normalement je l'ai le Winfrex, faut que je vérifie. Il me semble que je l'ai récupéré, hein, sinon je le ferai. Mais il faut que je regarde un truc sur mon Ptera. Quelle nature il a? Pudique. Pas intéressant. Ouais, j'ai un Winfrex, donc j'utiliserai Winfrex et Train. J'ai pas besoin de me soigner. Et donc on est parti pour visiter le petit coin là-bas. Hmm,
par contre, c'est super joli comme... C'est super joli comme coin. J'adore. C'est parti, Alex. T'en fais pas pour moi. J'ai mes max, repousses, comme d'hab. Et puis, tu es avec moi. Alors, je n'ai rien à craindre. Non, effectivement, t'as pas grand-chose à craindre. Par contre, est-ce que je fais... Parce que j'ai l'impression que ça va être une route de dresseur. Il y a une cellule cigare par là. J'ai l'impression que ça va être... vraiment que c'est une route de dresseur. Donc, comment est-ce que je suis passé ça? Comment est-ce que je vais pouvoir faire passer ça? Ouais, je ferai les combats off. Je ferai les combats off, hein, parce que sinon on va jamais y arriver. L'épisode il doit déjà bien faire une bonne grosse demi-heure. La boîte Zygarde a inspiré un petit être. Ok, bon, ça c'est pas très intéressant pour moi. B Kokoba, Kobaba, je sais pas ce que c'est. Kobaba, je sais pas ce que c'est une nouvelle baie ou... Et la baie Kébia. Il faut que j'arrive, il est baie. Là pour le coup, la baie... La baie me pose souci. Ah, ça affaiblit les attaques de type vol. Bon, pourquoi pas. Ça peut être intéressant d'en mettre une sur... sur Archéduc, puisque Archéduc est type plante spectre. Donc il prendrait des dégâts x1, je crois, si je compte bien. Ouais, ça doit être ça, il prend des dégâts x1. Donc bon, c'est un peu... c'est un peu embêtant. Bon, après, je préfère le jouer avec sa zélite, hein, donc... Donc voilà. Logorok, on a affaire à un par... Oh putain, niveau 43 par contre, je suis tout juste dans les niveaux. On va faire ton broche. La vitesse baisse. Oui, ils vont me faire taillade, ça va rien me faire en théorie. Voilà, ça me fait strictement rien. Enfin, ça me fait 20 PV de dégâts, ce qui est quand même pas négligeable, mais bon. Après, c'est plus une version offensive qu'on a de Loup-Garog, donc j'ai envie de dire. C'est pas un gros souci. Il reste quand même solide, hein. C'est pas... Rubombelle, t'es quoi toi, Rubombelle? T'as l'air d'être un Pokémon insecte ou une connerie comme ça. Et du coup, on va mettre d'Antichrist. Juste pour le fun. Juste pour le fun. De toute façon, avec Aqua Jet, elle fera le taf. Bah, il fera le taf. C'est vrai que mon Antichrist est un mâle. Ouais, ça c'est obvious. C'est l'évolution de mon... Bombidou. Je crois qu'il s'appelle Bombidou, mais j'ai un doute. En français. Oh, je le mets mid-life, donc normalement, ouais, avec... avec deux aquajets, il n'y a pas de problème. Je le mets KO. Donc on va refaire un petit aquajet. Hein. De toute façon, normalement, c'est à moi d'attaquer, mais bon, aquajet est très utile. Sauf que mon anticris est un peu lent, donc c'est pas plus mal de lui faire avoir... lui faire avoir une attaque de priorité comme ça. Après, j'espère qu'à la ligue il y aura pas vraiment des Pokémon trop cheatés non plus. Bon, après je pense que c'est une ligue entre guillemets classique qu'on aura dans toutes les ligues. On a eu type ténèbres, type spectre, type dragon. Syncropène, qu'est-ce que ça veut dire Syncropène? Vas-y, dis-moi tout. Non, c'est... La puissance c'est intéressant, le fait que ça soit sans précision c'est intéressant, mais... Il faut que ça soit type psy, quoi. Enfin, il faut que je tombe sur des Pokémon psy qui... Donc c'est pas utile, on oublie.
Après c'est peut-être moi qui comprends mal l'attaque, mais voilà monsieur le cuisinier. Bon, j'espère que j'ai plus trop grand chose à faire. Est-ce que j'ai récupéré la cellule Zygarde? Je sais plus, je vais aller vérifier que j'ai la cellule Zygarde. Il me semble, mais ça m'arrive des fois d'avoir des doutes comme ça. Quand j'ai un doute raisonnable, je préfère retourner en arrière. Ouais, c'est bon, je l'ai prise. Donc on va aller retrouver petite Polly. Polly Pocket. On va la retrouver, notre Polly Pocket. J'aime beaucoup Polly comme personnage, en fait. On la voit pas souvent, mais c'est un personnage très intéressant. Ah, déjà, il y a Bruinos. Bruinos, moi aussi, je suis contente de te revoir. Tu as l'air d'être en forme. Ah là là, c'est vraiment pas facile d'être dresseuse. Mais t'es dresseuse de rien du tout. Je veux dire, t'as juste Doudou, et Doudou ne fait pas de combat. Ah, une vraie dresseuse. Je vais aller te capturer un œuf, et là, tu seras une vraie dresseuse. Bref. Je ne pense pas que je serai capable d'envoyer mes Pokémon au combat. Ah oui. Eh oui, effectivement. Là, mais voilà tes points, Alex. Par mes sourcils, il y a même la petite Lily. Oui, cela me fait tellement plaisir de te revoir, Polly. Oh, il y a quelque chose qui a changé chez toi. T'as l'air de déborder d'énergie, Polly. Merci. Depuis que je sais que ce que je dois faire, je me sens poussée les ailes. La nouvelle Lily est une battante. C'est bien ça, ma petite Lily. Continue comme ça. T'es bien une femme libérée. Oh non. Et là, ils vont chanter, ils vont se mettre à chanter « Libéré, délivré ». J'ai jamais vu ce film et je veux même pas le voir. J'ai tellement entendu cette bande-son que mes oreilles siffrent quand j'entends ça. Bref. Ah si, elle est libérée quand même, Lily. En fait, Polly, on cherche le doyen de l'île. Tu sais où il se trouve? Le doyen. On a point ça à Pony, ma bonne dame. Comment? Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est terrible, Alex. Il est peut-être bien temps que je te fasse quelque chose. Après tout, j'ai combattu ce Pokémon tout bizarre au choupi. Un Pokémon bizarre au choupi. Ouais, pourquoi pas. En route, mauvaise troupe. Cap sur les ruines, Lily. Viens donc aussi avec nous. Nous n'avons pas le choix, Alex. Tous les dresseurs n'ont pas froid aussi, après tout. Halte là, les jeunes. C'est une espionne. C'est une espionne, c'est une mamie espion. Une mamie espion. C'est Madame Doubtfire. J'ai rien dit. Oui, quand je commence à fatiguer, je sors des conneries. Ça m'arrive. Que voulez-vous, madame? À part faire peur aux honnêtes gens? Mais rien, je suis la mémé de Polly. Vous êtes copain hein, de ma petite fille. Bien sûr, nous sommes amis avec elle. J'en suis bien aise, ma petite louloute. Que ma petite louloute soit trouvée à des amis. Faire le tour des îles, rencontrer du monde. C'était pas beau la vie quand on est des jeunes dresseurs. Si vous allez jusqu'aux ruines, un petit quelque chose pour vous. Passe-moi ton appel monture. D'accord, donc tu vas nous donner... D'accord, il nous donne ma cognure, ok, sans pression, j'ai envie de dire. Ok, pas de soucis. Ça devrait bien vous servir à déblayer la route de ces quatre. Oh oh oh. Allez, bon, avant, et belle vie, les jeunes.
D'ailleurs, des personnages, il faudrait que je fasse ça hors caméra, il faudrait que je retourne sur mes mails, parce qu'il y a des... J'étais allé dans une maison, et... Et il faut absolument que je le vis, que je reparle le personnage. Il m'avait dit un truc qui m'avait fait tiquer. Pour rattraper Polly, il faut continuer tout droit, jusqu'au récif de Pony. Repérez-vous encore dans le sol. S'il change de couleur, il devient plus sombre. Une fois au récif, poussez encore un peu, vous devriez la trouver. Merci pour tous vos bons conseils. Merci pour vos bons conseils, madame. Les ruines de l'au-delà. C'est là que se trouve Tocopisco, le gardien de Pony. Allons-y sans tarder. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste récupérer la cellule Zygarde. Si éventuellement il y a des choses à récupérer, je le ferai en off. Parce que c'est pas forcément le truc le plus intéressant à voir. Je vous fais d'incroyables bisous. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Allez, bye les gens. C'était Alcia.